Chaumet. Il a aussi été joué par un grand violoncelliste anglais, Stephen Isserlis, Emmanuel Feuerman, au début du XXe siècle, qui était un violoncelliste juif américain extrêmement connu. Donc voilà, c'est un violoncelle qui porte l'âme en fait, de tous les grands musiciens qui l'ont écouté, qui porte l'âme aussi, je pense, de tous les publics qui l'ont entendu. Donc c'est extrêmement émouvant aussi de l'amener comme ça sur un toit et qui continue à résonner et à porter de la beauté. Je crois profondément que la beauté sauvera le monde et qu'aujourd'hui, c'est une nourriture essentielle en fait. C'est la nourriture de l'âme. C'est bien plus qu'un simple divertissement, comme on pourrait regarder une série sur Netflix. Ça, c'est important de se divertir, mais la nourriture de l'âme qu'apporte d'être dans un musée, d'écouter un musicien qui joue, de recevoir en fait la beauté, c'est ça qui nous permet de tenir en fait dans les moments les plus difficiles. L'art a toujours été une Il me permet de parcourir le monde. Normalement, ce sont dans des salles de concert, mais il a fallu inventer d'autres choses. Et en ce moment, il m'accompagne dans ces musées et c'est une pièce de l'histoire de l'humanité. C'est pour moi un peu comme la Joconde, vraiment. C'est quelque chose qui est une des gloires.